peux m'aider à tenir ça. Ok. Attends. Yeah. Tu nous filmes seulement comment ça se passe. Ok, je vais. Attends, je vais faire ça. Non, on va nettoyer ça. Sinon, ça va te déranger. Non. On come forward. Bon, c'est ici l'endroit en question. Maman, you can come forward here. Éclairage minimum. Et ça, ok. Si tu peux te ôter la mampanza. Attention. Is it clear, maman? Papa Pascal. Bonjour, bonjour. Vraiment, mes condoléances, papa. Is it clear, maman? Mes condoléances. Je ne sais pas, nous signalons à nos amis qui nous suivent en ces temps ici. Tous en attendant, nous avons participé. C'est difficile, tout ça, la vidéo, mais nous sommes censés de le faire. Une famille, notre frère Kiyungu et puis la sœur Betty Mwenge. C'est depuis le vendredi 22 novembre que vous aurez remarqué. Ça, c'est la petite chambre Tonda Kouplas Babane Kouvamba. Ça fait presque. Plus de 8 ans, maman Ingrid, ils sont ici, ça fait combien d'années? C'est presque 4 ans. Il y a 4 ans en Afrique du Sud. Ah, plutôt, ah ouais. Ok, mais on va vous mettre quand même dans Cape Town. Ah, ouais. Ok, donc c'est presque 4 ans avant dans la 4 ans. Alors, bon, il s'est avéré que vers la nuit du vendredi, à 1h du matin, et que nous avons eu une tragédie où il est commis. Mais tout au moment là, kitch bande comme là et là, mais tout on a tous ton tout et prendre le feu. Ah ouais. Donc je sais pas qu'est-ce qu'on va récupérer ici. Hein? Je suis avec le cousin de l'homme, papa Chongo. Je m'excuse vraiment pour ce temps ici. Vous avez vraiment un moment où yo. Mais tout le monde qui a la vidéo juste pour nous signaler, ma compatriote nous sommes dans la bûche dans le monde entier. Ah ouais. Incident ce comme les compatriotes congolais. Et c'est un peu de me briefer un peu. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bon, c'était le jeudi, vendredi, jeudi, la nuit de jeudi, à 1h du matin. Puisque là où moi je reste, c'est un peu loin de là où mon cousin restait. Alors moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le matin, à partir de 6h, 5h passées comme ça. On m'avait téléphoné. Maman, mettre ça en bas. Pour okay. Me dire non. Nous avons un grand problème ici. Mon frère vient de mourir tout de suite ici. Lui, sa femme et les enfants. Bon, moi, quand on m'avait donné cette information, je ne croyais pas. Je ne peux pas. Je ne croyais pas que c'est vrai. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi appelé mon frère qui s'est trouvé aussi à Langa. Bon, il m'a confirmé. Je me suis réveillé. Je suis directement venu avec ma femme ici. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu que c'était terrible. La maison, comme vous le voyez ici, c'était plein de feu. Alors, à mon arrivée ici, j'ai trouvé l'ambulance, la police. Mais il n'y avait pas un point, qu'ils étaient déjà mourir. Ok, on peut rien faire, c'est déjà passé. Que leurs âmes restent en paix. C'est ce que je peux dire seulement ça. Vraiment, je ne saurais pas vous retenir trop. C'est depuis le vendredi passé. Oui, c'est depuis le vendredi passé, le 22 novembre 2019. Oh, il y a presque une semaine maintenant. Depuis maintenant, on est en train de chercher comment on va enterrer les 5 personnes. Bon, quant à nous, c'est un peu difficile parce que enterrer 5 personnes en un coup, c'est pas facile. On était allé à la police puisqu'on nous a dit que
À la police, il y a une association qui s'occupe avec les gens pour comment aider les gens. Yeah. Nous sommes allés là-bas. Mm. En arrivant là-bas, ils ont dit non. Et il faut se dire que c'était les social workers. Mm. Donc, il faut se dire que le counseling. Yeah. Vous avez le problème de trauma, vous allez là-bas, on vous donne des conseils, des choses comme ça. Alors, jusqu'à maintenant, on se demande maintenant comment on va enterrer ces gens ici. Mm. Ils sont dans la morgue à Sauté Riva, c'est là où ils sont. Et nous sommes occupés avec les papiers, puisque nous sommes allés là-bas à morgue. Mm. À la morgue, on nous a dit que nous devons avoir un papier, puisque ils nous disaient que il faut avoir un frère de la famille qui a le même CNM. Oui. Alors, mon nom et son nom, donc nous avons différent. Des CNM différents. Mm. Alors, il n'y a pas moyen. Et ils nous ont dit que si ce n'est pas possible, vous téléphonez à la maison Congo, qu'il vous fasse une lettre. Des recommandations. Oui, cette lettre vous permettra aussi de... Ça vous aidera aussi de récupérer les cadavres dans la morgue. Mm. Nous avons déjà eu la lettre, mais nous attendons maintenant la lettre de l'ambassade. Jusqu'à maintenant, on n'a pas la suite, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Mm. Oui. Papa Chong, avant que je vous libère, essayez un peu d'expliquer, il y a combien de gens qui sont morts sur place? Il y a, ce n'est que, donc dans cette chambrette, il y avait 6 personnes. Mm. Mais ceux qui sont morts, c'est 5 personnes. Yeah. Le père de la famille, sa femme et 3 enfants. Mm. Ils ont quel âge? Donc l'enfant, le premier, a 2 ans et demi. Mm. Le deuxième, c'est un garçon aussi, il a 1 an et demi. Mm. Et le bébé aussi, c'est une fille qui a 1 mois. Parce qu'il vient à peine de naître, en fait. Oui, c'est, donc le jour qu'il était mort, c'est le jour qu'il avait atteint 1 mois. Le même jour. Alors, c'est terrible. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Donc, quant à moi, ça me dépasse. Donc, jusque-là, vous n'avez pas encore eu la cause de l'incendie. Et là, on y est tombé. Est-ce que, en fait, le papa faisait quoi? Est-ce que tout bah, le bougeait? Parce que je vois un peu, il y a télévision ici. Bah, c'est comme si c'était un réparateur. Il y a bah, téléphone. Hein? Bah, comment on appelle ça encore? DVD. C'est un électricien, en fait. Non, lui, il faisait... Mm. Il réparait les télévisions. Mm. Alors, nous n'avons pas des explications là où provient le fait. Mm. Mais celui qui devrait nous donner toutes les explications, c'était les garçons qui vivaient avec son papa ici. Okay. Un garçon de 14 ans. Mm. C'est lui qui avait signalé à son papa qu'il y a le fait dans la maison. Et les garçons, quand le papa s'était réveillé, il avait dit à son garçon d'aller appeler le pasteur, qu'il vienne aussi les aider à éteindre le feu dans la maison. Mm. Alors, chose grave, on se demande maintenant, quelqu'un qui a signalé à son fils d'aller appeler le pasteur, pourquoi lui n'a pas eu le temps maintenant de faire sortir les enfants, la famille? Oui. Uh-huh. C'est ça la question qu'on se pose. Uh-huh. C'est pour ça que je vous dis que ça me dépasse aussi. Tu vois, c'est ça. Voilà, je crois que Bandeko Bazola Ndabiso va travailler dans le monde entier, Mobimba. Na minute où nous sommes, le deuxième jour du mois de décembre, depuis le 22 décembre, depuis le 22 novembre, que famille va perdre, qui papa na maman va couper na banami, ça tu y a banami, qui na bébé va couper na moto incinérée, bazo mona. Tout le monde tu es sur place pour vivre. Peut-être que quand vous avez envoyé des audios là, vous pensez que les Congolais nous faisons toujours des histoires, tout ça là, c'est un scénario. Mais c'est vrai. Papa Kiyongo, na mama Betty Mwenze et puis na bana nyonso misatu bakufi. Maintenant l'état de l'enfant Oazala qui survivant, il est déjà sorti de l'hôpital. Bon, l'enfant était à l'hôpital à Sama City. Il est sorti, ça fait au moins c'est trois jours maman. Oui. Alors son papa était venu le récupérer. Selon les informations, j'ai appris qu'il est parti chez sa tante au retraite. Okay. C'est là où il reste. Ok. Oui. Bon, c'est mieux d'abord qu'il soit d'abord là pour éviter un peu le traumatisme. Oui, c'est ça. On l'a amené là-bas puisqu'il ne peut pas rester aux environs ici puisqu'il sera aussi tourmenté aussi de voir ces choses ici. Ok. Juste votre mot de la fin, un message que tu peux lancer à vos compatriotes, aux Zolandabus, à travers le monde entier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le moment? Pour le moment, je demande à tous les Congolais, les compatriotes et la communauté congolaise de nous aider dans ces moments, puisque nous sommes dans les moments les difficiles. Puisque, quant à nous, pour enterrer 5 personnes en un coup, ça nous dépasse, tu vois. Alors, s'ils peuvent faire aussi quelques jets pour nous aider à voir comment enterrer ces gens ici, ça sera un peu bien. Tes contacts? Mon numéro de téléphone, c'est 065 982 91 78.
Encore une fois. 065. Plus 257. Plus 227. Mm. 65. 91. Mm. 78. Et 91. 982. Mm. 982. 98. Ok, Papa Chouango, merci beaucoup. Vraiment, encore une fois, nos condoléances à vous et à toute la famille merci qui beaucoup. Va nous suivre en ce moment. Je ne sais pas si Maman Ingrid, vous avez quelque chose à parler. Ok, vraiment, elle est tellement émotionnée. C'est une de connaissances de la famille aussi. Parce que presque dans le quartier Moko Awa, elle est un peu émotionnée à Kokata. Je crois que les images pour Zolanda, chers téléspectateurs, que je mette ça un peu clair en français ou en lingala pour que tout se comprenne. Ici c'est live, je le fais live en direct de Facebook. Ici je vais enregistrer pour que ce soit posté sur le YouTube. Ça c'est Jos Lovo, c'est l'un des townships Nakati Afrique du Sud, Nakati Cape Town. Ils ont aussi été dans Century City, ils ont aussi été dans Canal Walk, ils ont aussi été dans Nakati Millington. Bisikanini, nos frères, nos compatriotes congolais. Ils ont papa Tem Takoufi, ils ont moi Takoufi. Na papa, il s'appelle Kyungu, il a une trentaine d'années. Maman c'est maman. Enfin, moi, na bangali bosso mukiaza na 2 ans et demi. Yami balaza na ina nena bébé au teko koksa 1 mois le 22 novembre bisikani bosolanda bisoa. Donc, basé en San Diego, comme vous remarquez. Bon, on est venu. Je ne sais pas, papa, qu'est-ce que vous allez prendre ici, parce que tout est détruit, tout est brûlé. Et bon, comme la chambre, il faut que Bobim Sabilo qu'on soit évacué en haut, de façon que ils aient une quoi immeuble à Batou, il faut bien faire louer ça, n'est-ce pas, Maman Ingrid? Donc, mais les choses ici, elles ont brûlé. Vous avez quand même pu récupérer Babilamba, quelques histoires, tout ça. Oui, certaines histoires, on a récupéré certaines. Mm. Mais il y en a beaucoup qui ont été endommagés. Mm. Vous voyez, je pense que vous voyez ce qui se passe ici. Il y a les télévisions, il y a aussi les habits. Les lits et autres choses. Mm. Yeah. Je ne vois pas ce qu'on va récupérer ici. Le problème ici, c'est la propriétrice de la maison. Elle veut sa maison. Mm. Et tant que la situation se passe comme ça, je crois qu'on aura juste besoin peut-être d'un trac pour enlever les histoires ici et puis aller les jeter quelque part. Okay. Parce que si on les enlève comme ça, les jeter ici aux environs, on risque de nous arrêter pour ça. On a besoin d'argent, on a besoin de trac. Tu peux nous suivre en ce temps ici. On a besoin d'un trac pour t'évacuer parce que le propriétaire de la maison, de l'immeuble, a besoin de faire louer sa maison. Donc, pendant que tu as besoin de l'immeuble, il faut que tu aies besoin de façon que clean up et place au bas de nettoyer, on va faire la peinture, on va faire louer en parce que nos compatriotes congolais sont là qui sont loués d'accord. Donc, incendie, bon, jusque-là, cause peut source et incendie, on ne connaît pas encore, je vous signale. La cause n'est pas encore connue, ce qui est vrai, l'enfant qui est l'aîné âgé de 14 ans, lui est sorti vivant, quoiqu'il avait certaines blessures dans sa tête, c'est tout ça, Azak hospitalisé dans sa Maset Hospital, du moins d'après 4 jours, avec Kobima, Bimsa qui va smoke, tout va mille, va fumer, Oyo, et Bima qui n'a écouté qui en a 4 dans Zoto. Pour le moment, le vrai problème que nous avons actuellement, tous celui qui me suivent, vous avez suivi le numéro Papa Chouango, vous pouvez aussi me contacter personnellement, c'est 0027 61 016 32 85, ça c'est mon numéro de téléphone. Je suis là en compagnie avec la famille parce qu'en réalité, le couple ici n'a pas vraiment une famille où il y a ma casse, il y a un support. Ça, c'est le cousin du mari. La maman ici, c'est juste une connaissance aussi. Ce sont eux d'ailleurs qui sont venus au secours pour juste aider, pour évacuer. Moi, non, Abika Kazaki survivant. Mais tant Babouka qui, tu voulais remarquer dans la fenêtre, Babouka et Kobouka, il y avait trop de smoke. Sa pierre pompier Bayaki. Ils sont venus tellement nombreux de façon que Babouka, Babouaki, Babacha qui va extinguish fire pour ben mec un peu ben au ta bangote. Je crois même les photos pour mon dingue balala qui papa n'a pas zala qui a recouvert. Pour le moment Babakoufi, on est sur place. Le corps est encore dans le morgue. Comme vous remarquez, il est comme porte-parole de la famille. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de votre assistance. Nous lançons l'appel à notre ambassade, nous lançons l'appel à notre gouvernement, nous lançons l'appel à nos organismes. Mais pour le moment, le corps est dans les morgues. On ne sait pas quoi faire. Nous lançons des messages, on a fait des audios. Nous avons besoin de votre soutien financier. Nous avons besoin de bon poto kunda. Famille Mobimba, 5 personnes de façon que bah, on peut, parce que pour le moment, ils ne travaillent pas. Bah, tiens, ma tante n'est pas dans le rugby, n'est-ce pas, Papa Chouango? Donc, le deuil se tient
chez lui à la maison. Il doit travailler. C'est depuis le vendredi 22, Bazoya qui nouvelle Oyo. Il est à la maison. Ceux qui connaissent déjà l'information, Bazoya qui va ne sait pas compatir na famille de Konabiso ou Bautikotikabiso. Mais il faut une occupation. C'est la fin du mois en Afrique du Sud. Il doit aller au travail pour aller chercher aussi à faire survivre là, sa famille, à foutre à Baloua et tout ça. Mais pour le moment, on a besoin d'argent. Ta contribution nous sera la bienvenue. 100$, 10$, 20$, 15$, 2000$ que tu peux en avoir, ou un organisme, ou un UG que tu peux en avoir, en attendant peut-être battre comme sous-sous, le plus tôt sera le mieux. Parce qu'on ne peut pas garder les 5 corps, je ne sais pas jusqu'à quand. Lui aussi doit se vaquer à ses occupations. Encore une fois, grand merci. On ne veut pas après trop parler. Yes, maman. Tu dis? Ok, papa, le matin à ceux qui seront peut-être ici à Cape Town, il va peut-être prendre part. Parce qu'il y a de ceux-là qui me il y a de ceux-là qui disent, moi, je vais aller dans ma contribution, Mike. Monsieur Balumina, papa Boloa, tu as posé l'adresse à matin, à Poto et à Bissot, mon auto, sa cash, à Bissot, contribution, à Bissot. Est-ce que vous pouvez confirmer et puis préciser l'adresse? C'est Rugby, Brooklyn Rugby, Santos Street, numéro 27. C'est là où se trouve les deuils. Oui. Quand ils viennent là-bas, ils vont me trouver là-bas. On dort là-bas. Les gens viennent nous visiter là-bas. Ils nous trouvent là-bas. On est tous là. Merci beaucoup. Ok, voilà, c'est Santos numéro 22. 27, je m'excuse, à Rugby. Les gens qui sont habitués à Millington. Millington, c'est Santos Street, c'est Rugby, c'est ça le nom du quartier. Juste après Brooklyn, c'est la grande avenue qui est connue, c'est à Cape Town, Quebec Road. L'avenue qui commence à partir de Maitland, montant vers Table View, c'est ça la Quebec Road. Dès que vous entrez à Quebec Road, vous allez trouver Santos. Juste après Youssef, il y a Youssef à gauche. L'avenue qui vient après Youssef, c'est ça qu'on appelle Santos numéro 27. Si vous avez besoin peut-être d'être là sur place, vous êtes à Cape Town. Mais si tu es à Johannesburg, à Durban, tu es à Port-Elizabeth, tu es en Europe, vous pouvez nous contacter. Les peu que tu peux avoir, ça peut aider pour que la famille et cette famille puisse se reposer un peu. En terme gravité quand même, mais du moins, tu peux rendre bon bonheur quand même, il y a bien. Et c'est quelqu'un qui a quand même contribué. Sotali a zoko aidé Batébélé, pas Sungara, et Batébélé dans la communauté congolaise. Pour ma grand-mère, je ne sais pas si Papa Chongo a un autre mot de la fin, peut-être que tu peux nous donner. Et c'est ça, je ne sais pas si vous en avez. Je n'ai rien à dire, Seulement, je remercie tout le monde. Ceux qui viennent nous visiter et ceux qui viendront nous visiter, qui soient les bienvenus chez nous, ils nous verront là-bas. Et s'ils ont quelque chose à nous donner, qu'ils soient les bienvenus. Et c'est par là, je n'ai pas beaucoup à dire. Merci. Ok. À nos autorités qui nous suivent, c'est ça le temps. À nos autorités politiques, sociales, ONG, c'est le moment. En fait. Il n'y a pas l'argent. S'il faut à vrai dire, bon, vous êtes au Kounabane, on ne peut pas me répéter. Nous faisons ce que nous faisons parce que nous aimons notre travail. Nous sommes dans le média lorsqu'il y a un problème. Nous sommes votre yeux, nous sommes votre oreille. Nous avons entendu, voilà pourquoi nous sommes dérangés, malgré nos occupations, pour venir ici, pour vous faire vivre ce qui s'est passé. Vous voyez, la chambre est vraiment incendiée. Et même la nuit, il y avait tellement de fumée, ça fait que nos frères et sœurs ont pu perdre leur vie. Que leur âme se repose un peu. À toute personne qui va recevoir ce message, je répète encore mon numéro de téléphone, 0027 061 016 32 85. 0027 61 016 32 85. Il n'y a pas un fonds quelque part pour enterrer papa, maman et trois enfants, il n'y en a pas. Mais votre contribution financière, ça peut nous aider à enterrer cette famille. Si le gouvernement congolais pourrait recevoir ce message, et quiconque aura à voir ce message, cette vidéo, puisse partager cela. Nous sommes dans un état d'urgence. Nous avons besoin d'enterrer papa et maman et trois enfants qui nous ont quittés la nuit du vendredi 22 novembre. Oui, naïbi que moi, je calcule les années, décembre, commis, fin de l'année, tout ça. Il y a beaucoup de programmes. Mais ça, c'est un programme qu'on n'a pas planifié. La mort vient, on ne planifie pas. Ça frappe, ça peut te frapper aujourd'hui, ça peut frapper une connaissance membre des familles. Les frères pleurent, la maman pleure. Alors, c'est un fardeau que nous avons besoin de votre contribution. Moi, c'est Josué Boloa. Partagez cette vidéo à celui qui va nous suivre. Et nous osons croire qu'une personne aura la bonne volonté à prendre soin de ses funérailles. Cinq personnes. Enterrer cinq personnes, ce n'est pas facile. Merci beaucoup.